Alors aujourd'hui, comment créer une vidéo short à partir d'une vidéo standard? C'est ce qu'on va voir dans cette vidéo. Il faut savoir que YouTube a créé le format short depuis un moment et c'est pas évident. Quand tu as des vidéos existantes que tu veux transformer en short, on n'a pas souvent des outils facilement accessibles. Mais il y a des logiciels, mais parfois c'est des logiciels qui sont payants. En tout cas, à savoir le logiciel Mova Video Editor Plus que j'utilise moi en tout cas pour convertir les vidéos existantes en format short. Une vidéo format short, c'est quoi? Il faut que la vidéo soit verticale et que la vidéo elle fasse moins de 60 secondes et voilà, et que la vidéo soit attirante quoi. Donc ce sont les seules conditions que vous pouvez utiliser que la vidéo doit remplir pour que ça passe en short. Et ensuite, ben, quand vous allez la publier, vous mettez le hashtag short dans la description et dans le titre. Et ça suffit largement pour que ça soit un short. En tout cas, je vais vous montrer ce que je fais. Voilà, on va prendre une vidéo standard. Tac. On va prendre une vidéo standard, par exemple. On va aller le chercher. Ajouter un fichier multimédia. Tac. Allez. Ah oui, voilà, collection média. Il est déjà là. La vidéo est là, je l'ai ramenée ici. C'est la vidéo, je l'ai ramenée ici. Elle est en format standard. Et YouTube, pour que ce soit en short, il faut que ce soit en format vertical. Pour passer en format vertical, là on est en format 16 neuvième. C'est format standard YouTube, horizontal. Il y a plusieurs formats. Et vous mettez ici format 9 16e. C'est valable pour TikTok et Instagram aussi. Et voilà, la vidéo est passée en format vertical, c'est vraiment simple, c'est pas compliqué, c'est le plus simple. Avec le logiciel, c'est très simple. Vous convertissez votre vidéo existante en vidéo short. Peu importe la source, en tout cas, elle peut se transformer en vidéo short. C'est un format MP4. Et après, vous exportez là où vous voulez ce que vous voulez faire. Voilà, vous donnez le nom du projet. Et ensuite, vous publiez la vidéo sur votre chaîne et vous mettez hashtag short. Cette vidéo, bien sûr, il faut que ce soit inférieur à 60 secondes. Moi, dans le cas ici, c'est une vidéo qui fait 29 secondes, ça passe. Pour personnaliser, vous pouvez aller dans texte, ajouter texte. Là, par exemple, voilà, on va dire, je vais mettre, je sais pas, texte tuto, voilà, je mets comme ça. Et vous posez, vous mettre sur la piste texte parce que ce mauvais vidéo, vous avez plusieurs pistes, hein, piste vidéo, piste audio, piste texte, c'est vraiment l'avantage. Hein. Et là, qu'est-ce que j'ai? Le texte pour les shorts, vous mettez un titre ici souvent si vous pouvez le faire, et ça apporte les gens quand ils voient le titre peut attirer les gens. Du coup, il sera poussé à cliquer. Vous, votre objectif, c'est d'avoir des gens qui cliquent sur votre vidéo pour que ce soit viral. Et ça peut vous apporter des abonnés. C'est pas négligeable. Ça peut être très intéressant de le faire. Donc voilà ce que j'avais voulu présenter là-dessus. Qu'est-ce que je peux montrer d'autre? Vous pouvez rajouter des musiques, ajouter ce que vous voulez. Et faire ce que vous en voulez. Si vous êtes intéressé par le logiciel, le lien est dans la description de la vidéo. À bientôt pour de nouvelles vidéos.